Ma petite Luna, nos chemins se sont croisés un 17 septembre dans ton petit village natal de Bretagne. Et c'est ainsi que nous avons commencé à parcourir les routes de ce monde ensemble. Tu aimais te promener sur les plages et dans les montagnes d'Espagne. Te souviens-tu de notre dernière randonnée à Las Negras? Tu aimais tellement escalader les rochers pour attraper les lézards. Nous avions passé une nuit dans une grotte avec la vue sur le camp de nos amis, plus bas dans la vallée. Je me souviens comment tu étais heureuse avec ton ami Punky. Vous passiez vos journées et vos nuits ensemble, à jouer et à vous faire des câlins. Malheureusement, cet accident tragique est arrivé. Je suis arrivé trop tard. Pardonne-moi, petit cœur. J'aurais tellement voulu arriver à temps pour te sauver. Hélas, tu as versé ton dernier soupir dans mes bras. La seule chose que j'ai pu faire pour toi, c'est de t'offrir une sépulture décente. J'ai pensé que le meilleur endroit pour cela serait là-haut, près de notre grotte. Tu y seras en paix. Luna, je te remercie pour ce chemin parcouru à tes côtés. J'aurais tellement aimé qu'il soit plus long. Tu es parti trop tôt, mon petit cœur. Tu seras éternellement à mes côtés et dans mon cœur. Et c'est pour cela que je te dédie cette vidéo. Et ça, c'est ma petite Luna, ma petite foufolle. Luna. Que t'as. Luna? Luna? Eh? Bah alors, qu'est-ce que tu fais, ma fille? Luna? Hé Luna! Eh bien! Ouais ma fille! Allez! Puis elle m'attend et tout! Eh bien ma fille, on avance, on avance! Hé bébé! Allez! Oh bah voilà! Je suis parti chez les faufileurs, donc direction Étretat, à pied, par le GR21 qui longe la côte, avec ma petite Luna, qui est juste là, qui est en train de manger une petite friandise, parce qu'elle a bien marché, ma belle, elle a bien marché. Elle a du mal à rester sur le sac, mais par contre elle adore être tenue en laisse. Elle adore marcher, elle suit à mon rythme et c'est cool. Bon, voilà quoi. Il faut qu'elle s'habitue sur le sac.
Et y a ma fille. Allez. C'est reparti. Et Luna. Tu viens. Oh, je suis bien. T'es trop mignon. Tu deviens folle, tu pètes des câbles. Miaou! Les puces? Attends, t'es trop belle. Tu fais. Allez toi. Regardez cette faux folle. Eh? T'es faux folle? Comment vas-tu descendre? T'es monté, hein? Ou tu veux venir te chercher? Ouais, tu peux y arriver. Allez. Allez, viens. Papa.
Bah ouais, on sait te faire de jouer Spider-Man. Là, il y a Luna qui joue à chat perché. Comment tu fais? Toi, tu vas essayer de sauter sur le toit de la caravane, non? T'es trop mignonne. Loulou, Luna. Luna, je te parle. T'as vu le coq? Et le SM, c'est de l'eau. Bah aujourd'hui, du coup, petite rando avec Luna. Je vais remonter en haut de la montagne, donc je filmerai pas le chemin, je l'avais déjà filmé la dernière fois. Et je vais aller dormir là-haut dans une petite grotte qui se situe là au milieu de la courant, il me semble, par là. On va aller voir ça. J'ai pris tout ce qu'il faut pour elle, tout ce qu'il faut pour moi. On pourra manger, faire un petit feu en bas, à l'entrée de la grotte. Ça va être sympa. Allez, viens! Et comme ça, je pourrai faire mon montage vidéo parce que là-haut, j'ai du réseau et ici, j'ai pas de réseau. Allez, bisous. On aura déjà bien monté avec Luna. Bon, il nous reste encore de la route, hein. Mais ça va le faire, tout doucement. Je vais à son rythme. Je fais des pauses, je lui donne à boire. Bah, allez, à plus tard. Bon, bah, du coup, une petite pause pour Luna. T'as bien marché. Elle a tout grimpé en marchant. Elle a pas voulu que je la porte. Et là, elle est fatiguée, ma mère, on fait une pause. J'ai mis un peu d'eau. Essaye de se trouver un coin à l'ombre parce qu'il fait trop chaud en fait. Il fait chaud. Ah, mon chat, il fait chaud. Ouais, plus un chat noir comme ça. Puis tu fais des efforts et tout. Bien, ma fille. Du coup, voilà, elle a vu. Et on est presque arrivé. On est presque arrivé. Ne reste plus grand-chose. Mais bon, essaye de reposer ma petite mémère un petit peu, quoi. Hein? On a le temps, de toute façon. Voilà. Bisous, tout le monde. Bien mon chat. C'est bien ma fille, je suis fier de toi. Ça y est, ma Luna l'a fait. On est arrivé en haut. Ah, mise au point. C'est trop cool. C'est trop beau. Ah, mise au point, c'est chiant par contre. Et moi, Luna qui est là. Bon, bah voilà, avec Luna, on est arrivé à la grotte qu'on va squatter pour la nuit. Donc, nous, on va squatter là. Petite grotte à l'abri du vent, fort sympathique, avec une belle vue. Je pense que je vais mettre ma couchette ici, bien déblayée avant, et me faire un petit feu là. Je pense que c'est le mieux à faire. Et ça va être pas mal, on va être très très bien. Qu'est-ce que t'en penses, ma Lounou? T'en penses quoi? Voilà, bisous les amis. Ça y est, le soleil se couche. Là-bas, les copains, ils sont déjà dans l'ombre. Luna,
Allez là, ma fille. Puis ben moi, je me suis posé. Je vais me faire mon petit feu. Et passer la soirée tranquille. Voilà.